Putain, comment il fait chaud! Wesh. Ça filme là ou? Wesh, ça filme ou pas, wesh? Ok, je crois là, ça filme. Salut la famille, c'est Crimo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Oh, il fait trop chaud là, vas-y, il fait trop chaud. Enfin bref, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est tout simplement un 24R. Qu'est-ce que c'est, les youtubeurs? Qui décide ce qu'est-ce que je vais manger. Moi, ce qu'est-ce que je vais ingurgiter, comme on dirait dans les argones, qu'est-ce que je vais ingurgiter toute la journée, ouais. Non, en vrai, plus sérieusement, voilà, du coup, ah oui, merci pour les 1000 abonnés. Là, vraiment, là, merci, merci. Bon, je les remercie sur les réseaux et aussi sur Instagram, là. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher juste, tu vois, ici, là, comme ça, là, je le mettrai comme ça, là. Enfin, bref, voilà, j'espère que vous, tu vois, de votre côté, ça va toujours nickel, tu vois. Moi, à part qu'il fait plus de 8000 degrés, voilà, c'est, je suis fatigué là quand même. Non, en vrai, ça va, franchement, ça va tranquille, mais bon, là, il fait trop chaud. Du coup, voilà, comme vous l'aurez compris, la vidéo, ça va être un 24h, les youtubeurs décident ce que je vais manger. Du coup, bah, on va pas attendre, hein. Sans plus tarder, on va lancer le premier youtubeur et on va voir ce qu'il m'a donné à manger pour les petits déjeuners du matin. C'est parti. Crimo a du coup fait l'erreur de me laisser choisir ce qu'il allait manger, et vous vous en doutez, j'ai pas choisi le meilleur plat. Je te propose donc de prendre un sandwich, jusque là tout va bien. Dans le sandwich tu vas mettre une banane que tu auras coupée au préalable, et comme sauce tu pourras rajouter du dentifrice. Je suis vraiment un bâtard. Du dentifrice. Non, plus sérieusement, la famille, bon, ben voilà, là, c'est pas le choix, je suis obligé de jouer le jeu, là. Go faire un sandwich banane dentifrice. Bon, voilà, la famille, pour le pain, bah, pour le sandwich, j'ai pris ça, là, tu vois, voilà, là, on voit pas trop, mais bon, c'est des pains, je vais prendre un pain comme ça. Pour les bananes, je vais prendre les bananes, là, comme ça, là, tu vois. Et les petits dentifrices bio. Ouais, t'as vu, pour pas que ce soit d'une sorte de poison et ça, t'as vu, j'ai pris bio, bio. C'est que le petit panda, là, je sais pas si tu vois le petit panda, là. Ouais, le petit panda, là. Attends. Bon, du coup, on va pas passer à la préparation. Voilà, du coup là on a la banane quoi. Ok. Voilà, donc déjà un halal. Mais c'est trop bien. Le pain il est déjà halalisé. Mais c'est, putain, mais c'est trop bien ça. Mais le mec qui a créé ça, c'est un génie. C'est un génie, il a révolutionné le monde. Bon, du coup je coupe la banane. Bon voilà, famille, on va commencer à incruster des trucs de banane dedans. Voilà, du coup là, ça nous donne ça, tu vois. Un bon sandwich, c'est la banane, quoi. Voilà. Et go, ben le gâcher, quoi. Pourquoi tu fais ça, là? Pourquoi tu fais ça, Pitou, là? Pourquoi tu fais ça, Pitou? On voit bien, là. Ah, what the fuck, fuck, fuck. C'est parti, hein, faut y aller, hein. C'est, frère, c'est quoi? C'est pas du dentifrice, ça, ma gueule. Dégueulasse, ouais, ça ressemble à rien, gros. Pitou, si je meurs, tu me dois 1 million d'euros. Ok, c'est parti, bismillah. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est plus le truc que t'as pas le goût. Mais la sensation, la substance du dentifrice avec la banane, c'est horrible. C'est horrible. Oh, putain, c'est dégueulasse, ouais, putain. T'as même un SDF, il te dirait, vas-y, arrache ta gueule, enlève-moi ça, frère. Ramène-moi un sandwich normal, frère. Ah ouais. On le jure, il se passe des trucs de ouf dans mon cerveau, là. Il est en train de se dire, ouais, c'est quoi ce goût de banane de merde? T'es en train de te brosser les dents ou tu fais quoi avec le pain et tu... What the fuck? What is this? This rubs with banana of the dentifrice of the brassage des dents? Mon cerveau il comprend pas. Non, je peux pas. Oh, je peux pas. Non, je peux pas. Bon. Pour la boisson, il a pas spécifié. Du coup, je vais prendre de l'eau. Je vais pas tricher à prendre du coca ou un truc comme ça. Là, vraiment, là, Pitou, tu veux ma mort, là. Là, tu veux ma mort. Déjà, j'ai lui demandé un petit déjeuner.
Il me donne un sandwich. Après, il me donne même pas de boisson. Après, il me dit même pas, vas-y, on va le déshydrater. Non, tu crèves. Donc moi, je prends quand même de l'eau parce que frère, j'ai pas envie de mourir. Bon, voilà. Pour le petit déjeuner. Non, au moins, j'ai pas de la gueule. Bon, la famille, pour le petit déjeuner. Voilà, c'était tout pour le petit déjeuner. Merci à Pitou d'avoir participé à la vidéo. Même si tu m'as massacré. Et on va passer tout simplement au youtubeur de l'après-midi. Une fois que midi sera arrivé ou quoi. C'est parti. Bon, la famille, il vient d'être midi. Moi j'ai fait ma petite douche tranquille parce que là, ouah, comment il faisait trop chaud là, non, là c'était abusé. Et du coup, tout simplement, on va passer à la vidéo des youtubeurs qui m'ont proposé un repas pour le repas de midi, quoi. Allez, c'est parti, on va voir la vidéo tout de suite. Wesh, la communauté de Crimo, comment ça va? Aujourd'hui, Crimo, il nous a demandé de faire quoi? De choisir son... De danser! Ah merde, allez voir. Reviens! Non, je rigole. Vas-y, bon, les gars, le repas il sera composé de quoi, Salem? D'une pizza frite. C'est quoi une pizza frite? Une pizza frite, en fait, c'est quoi? Soit tu l'achètes d'un snack, il y en a de partout, normalement à Toulon. Ou sinon, c'est quoi? C'est une pizza en fait, base sauce tomate, gruyère râpée. Et après, il fait cuire des frites à côté, il met la frite dans la pizza et tu plies en deux. Et ça fait un demi-cercle. Bang bang, après sonax. Pour les sauces, sauce au choix. Donc voilà, voilà. Mais ce qu'il veut, voilà. Fais-toi plaisir parce que tu vas pas avoir du plaisir longtemps. Pourquoi? Parce que, non, en vrai, oui, quand même, hein, quand même. Parce que moi je suis, tu vois, j'ai perdu les mots. Moi, j'aime bien qu'on me fait plaisir quand il y a un youtubeur qui me fait une vidéo, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai un dessert de gros, tu vois, pote, mais qui est haut de gamme. Tu prends un pain au chocolat, tu le coupes en deux, tu vois. Tu prends une danette au chocolat, t'en mets un peu, tu le replies et tu manges. C'est tarpin beau. C'est un pain au chocolat, danette au chocolat. Ah voilà, c'est mais bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écraser du Oreo, tu vas mettre dedans aussi. Allez, ouais, ça fait croustillant, tu vois, parce que la gastronomie, il faut un truc moelleux et croustillant, ça fait un truc fire. Et pour la boisson, les gars, ça va être quoi? Ça va être une boisson que Crimo, donc Fares, aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait être gentil quand même. Je suis un que t'aimes pas du tout. Ah ouais? Mais bah, il aime pas, il m'avait dit c'est une boisson qui sert à rien. Allez, fighting! Sur ce, bon appétit! Et bon visionnage! Bang bang! Bang bang! Bang bang! Bang, bang. Merci vraiment la team day, merci. Déjà vous m'avez mis très très bien. Bon, on a la pizza frite. A mon avis, genre je crois qu'il y en a déjà qui se vendent dans des snacks, genre déjà pizza avec des frites. Mais bon, moi je vais préférer prendre genre comme ça, tu vois. Et on a le petit sachet des frites McCain, quoi, comme ça. Et bon, bah pour le dessert, voilà, on a le petit pain au chocolat, il m'en reste un là, tac, petit pain au chocolat. Pour les Oreo écrabouillés, là il y a ça des dents. Ouais. Non, enfin bref, ouais, je voulais vous montrer ça. Tac, voilà les danettes. Et le Swiss. Tu connais le Swiss tonic? Swiss tonic. Non, ça c'est chouette, ça que du coup, bah voilà, bah bon, on va faire cuire la pizza, on va faire cuire les frites. On va mettre les frites dedans, je vais vous montrer ça. Et je vous montre ce que ça donne à la fin, tout réuni. Et je vais faire la préparation juste après. C'est parti. Bon, du coup, la famille, voilà. On a la pizza là, comme ça là. Et on a les petites flûtes. Du coup, bon, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va mettre. Ouais. Par contre, ça m'a l'air un peu lourd quand même. Hein. À mon avis, ça va être un peu lourd quand même à manger, mais bon, on va essayer quand même. Hein. Voilà la famille, on va plier ça en deux. C'est trop chaud là. Bon, du coup, la famille, voilà. On va plier la pizza en deux là. Ah, c'est chaud. Ah, c'est trop chaud. Mais putain, c'est encore trop chaud là, vraiment là. Bon, ça m'a l'air consistant de ouf, mais bon, c'est toujours mieux qu'un sandwich à la banane et au dentifrice, tu vois ce que je veux dire. Un des trois. Déjà, ça c'est sûr, c'est pas dégueulasse. Ça c'est sûr à 100%. Mais le problème, c'est que j'arriverai pas à dire si genre les frites y rapportent un truc en plus ou en trop, tu vois. Genre, est-ce que ça vaut le coup de les mettre? Ou est-ce qu'au final ça sert à rien? Franchement, attendez, je vais taper un coup parce qu'en vrai j'ai pas trop tapé dans les ingrédients. Mmh.
Je valide. Je valide de ouf. Le pire, c'est que j'ai pris une pizza bien fromagée, quoi. Fromagée. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Un petit peu des sweats à gris. Tous les ingrédients qu'il y a dedans. En vrai, j'ai juste rajouté des frites. On dirait que j'ai rajouté 47 trucs en plus. Ouah, mine de rien, ça blinde de ouf. En vrai, c'est hyper épais. En vrai, on dirait pas comme ça, mais limite, c'est l'équivalent d'un tacos de 2-3 viandes même. Il y aurait de la viande dedans, par contre, comment j'aurais pas pu le finir. Ouah, ça y est. Et en vrai, je pensais pas. En fait, le fait qu'il y ait de la pâte et de pizza plus des frites, ça rajoute trop de consistance. Trop. Mais faut essayer. Genre, en vrai, franchement, je dis la vérité. C'est bien si, genre, si tu le coupes en deux, tu partages avec un pote. C'est trop bon. C'est trop, trop bon, quoi, vraiment. Encore un peu de Schweppes, my nigga. Bon, maintenant, reste à voir si le dessert que je rappelle, pain au chocolat. Avec du danette dedans et du Oreo écrasé. On va voir si ça vaut le coup. Tu vois, si genre, peut-être ça peut accrocher avec ta pizza frite. Hein. On sait pas, peut-être c'est un dessert que je vais apprécier. Mais bon, quand même, danette plus Oreo écrasé. T'es allé un peu loin là, Mohamed, quand même. Du coup, faut le halaliser. Hop, hop, hop. Bon, voilà, famille. Tac, le truc, il est coupé en deux, tu vois. On va commencer à mettre le danette dedans. Danette saveur chocolat. Ouais. Go installer les danettes à l'intérieur. Ça me fait mal de faire ça. Wesh. En vrai, ça paraît pas dégueulasse par contre. Hein. On dirait que je suis en train de rajouter la masse de Nutella. Go mettre quelques Oreo. Ah oh, ouais. Wesh, wesh, wesh. C'est un massacre. Bon, voilà, du coup, tac, il est prêt. On referme. Wow. Wesh, 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 ça déborde. Bon, on passe à la dégustation, on va voir ça tout de suite. Le goût, il est trop bizarre. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est trop bizarre. Ah, ah. Ah, par contre, ça commence à devenir sucré de ouf. Mais vraiment sucré, là, trop. Bon, les dernières bouchées du pain au chocolat. La substance est trop bizarre. Bon, du coup, voilà la famille. Voilà, ça c'était pour le repas du midi. Là, on va tout simplement ranger le bordel là parce que j'en ai mis partout. Et on va attendre jusqu'au repas du soir. Et on va voir qu'est-ce qu'on va grailler ce soir. Tout de suite. Oh, elle est bien leur son. Ah, ah, wesh, 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 wesh. Ah, vous êtes là, vous. Bon, du coup, la famille, il commence à se faire tard. Il va bientôt, faire nuit. Du coup, tout ce qu'on va faire, simplement, c'est que je prépare à manger. Bon, je vais vous montrer les ingrédients, parce que là, on va voir ce que le dernier youtubeur m'a préparé pour voir si c'est un truc bon ou un truc dégueulasse. Voilà, franchement, j'aimerais bien finir la journée en beauté. Enfin, bref, une fois qu'on aura vu ça, on va préparer les ingrédients direct. Et on se retrouve direct, après la vidéo, quand tout sera prêt, tout sera carré, tout sera nickel et qu'il faudra juste manger, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, on s'est dit à tout à l'heure après la vidéo. Allez, peace. Ouais les gars, comme j'ai vu que t'étais un fan de Dragon Ball et de Vegeta, Sangoku, Sangohan, Sango, je sais pas quoi, tous les Sango, tu vas manger comme Sangoku. Attends deux secondes, j'arrive. Va me saouler, elle. Voilà. Pour le repas du soir, tu vas manger comme un Super Saiyan. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'ils mangent les Super Saiyans? Qu'est-ce qu'ils mangent Sangoku? Qu'est-ce qu'ils mangent Vegeta? Ils mangent quoi? Ils mangent du riz, oui. Au menu, t'auras du riz blanc, un ou deux bols, ça dépend vraiment si t'as la dalle ou pas. Et un petit peu de brochette. Bon, tu peux mettre n'importe quelle viande, ça me va, tant qu'il y a de la viande, tu vois, parce que nous,
Il faut de la viande, tu vois, les Super Saiyans, ils ont besoin de viande, tu vois ce que je veux dire. Et après, pour accompagner tout ça, t'auras un petit peu de nouilles, tranquillou, dans une soupe. Ça passe, tu vois, c'est histoire de digérer le repas du soir. Pour le dessert, mon petit Fares, tu vas pas manger lourd, tu vois, il faut manger léger, il faut bien digérer. Tu vas manger rien. Voilà, c'était tout pour le repas du soir. Allez, bon appétit, Fares. Ok, merci, d'accord, mais comment ça, fan de Dragon Ball Z? T'abuses un peu quand même, Anis. Wesh, t'abuses, frère. Enfin bref, bon, là, je viens de tout préparer. Les petites brochettes. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai préparé les petites brochettes. Le riz blanc. J'ai juste mis les brochettes par-dessus, hein, c'est un peu jaune, parce que c'est le... J'ai mis du... Hey, brochette fait maison, frère. Mate-moi ça. Brochette fait maison, quoi. T'as déjà vu? En plus, je les ai fait petites, nickel. Là, on a les pâtes chinoises, un peu dans de la soupe. Bon, on voit pas trop la soupe, parce que les pâtes, elles ont absorbé. Mais bon, je veux pas trop basculer, sinon yay, ça va déborder. On a les deux petites sauces là, Bon, ça c'est pas de la sauce, mais bon. Bref, on va mettre ça dans les pâtes chinoises. Du coup, alors on va mettre maintenant la sauce là. J'ai mis les petites épices. En fait, je sais pas, c'est de la sauce bizarre, on dirait de l'huile dedans. Mais bon, j'aime trop ça là. En vrai, Alice Boss, merci vraiment à toi d'avoir accepté déjà d'avoir tourné la vidéo. Merci déjà à tous les autres youtubeurs. Merci vraiment d'avoir voulu participer à la vidéo. Et voilà quoi. Par contre, j'ai vu un mec, un jour j'ai vu une dégustation, un mec genre asiatique qui faisait quoi? Il avait pris genre, tu sais, dès qu'il avait plus de pâtes chinoises, bah genre vu qu'il y avait tarpin de sauce encore des pâtes chinoises, il avait mis son riz. Ça avait l'air grave bon, je me suis dit, oh ça doit faire comme des nouilles, mais petit. Pouah, au fond t'as comme une sauce soja. Wow, ma nègue des nègues. Ah oui, ah ouais, t'as remarqué le petit t-shirt hein? Bagasse. Transformation Super Saiyan. Ok, c'est bon. Moi, je propose qu'on commence, attends, par un petit peu des nouilles dans la soupe, comme il a dit. Magnifique. On va déguster un brochette là. On va voir si je l'ai fait bien. Parce que, encore une fois, elles ont été faites maison par moi-même. C'est moi, j'ai mis les épices. C'est moi, je les ai embrochées. C'est moi qui ai mis du sel. C'est moi qui ai mis le poulet en petits morceaux comme ça, accroche. Bref, 1, 2, 3. J'ai même pas besoin de me marier, frère. Je viens me marier avec moi-même. Oh la vache. Anis Boss, frère, tu m'as mis trop bien. Ouais, tu m'as mis trop bien, gros. Là, tu m'as donné quelque chose que j'aime énormément, quoi. Oh, avec le petit riz là. Attends, on va essayer dans la sauce des pâtes chinoises. Ça fonctionne vraiment bien. On va goûter un peu de riz. Là, je commence à avoir soif de ouf. Anis Boss, il m'a pas donné de boisson spécifique à boire du... Du coup, je vais pas prendre le choix parce que j'avais pris pour ce midi. Je vais prendre de l'eau. Ouais, je suis un chameau, ouais. Seulement les dimanches. En tout cas, un énorme merci aux youtubeurs qui ont participé à cette vidéo. Je vous remercie énormément. Merci Pitou, même si t'as essayé de me tuer dès la première tentative. Déjà un sandwich pour le matin. Et en plus de ça, avec du dentifrice et de la banane. Enfin bref, non, en vrai, c'était le but de la vidéo quand même, de l'animer. Parce qu'en vrai, franchement, la Team Day et Anis Boss, vous m'avez mis bien. Juste le dessert de la Team Day qui était un peu bizarre quand même. Mais en vrai, heureusement que Pitou, tu vois, il m'a donné un truc dégueulasse quand même, un peu. Pour au moins, ça pimente la vidéo, tu vois. Parce que sinon, enfin, je suis là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu vas prendre 1000 feuilles avec une feuille en plus, avec un peu plus de sucre, tout ça. Non, non, ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Il m'a dit, non, déjà pour le matin, zéro boisson, donc tu vas mourir. Et en plus de ça, sandwich. Tu ouvres le pain, tu mets banane et tu mets du dentifrice. Merci Pitou, merci la Team Jday et merci infiniment Anis Boss. Merci à vous trois vraiment.
Ça fait très plaisir, ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, sur ce, on va se laisser ici. Là, c'est la fin de la vidéo. Et wallahi billahi, on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, peace. Mignon, je fais que progresser. Elle a kiffé le flow, je suis tout en hors piste. Là, je suis avec Flo, on arrête les pistes. Même sur Spotify, j'ai mon nom d'artiste. On donne en cabriolet.